Yo les gens, c'est Mister Jawan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FUT 13. Et oui, je vous avais dit que j'allais faire plus de FUT 13, ben voilà, je tiens ma promesse. Je fais plus de FUT 13 tout simplement. Ma dernière vidéo, vous avez pu voir que j'ai découvert le jeu. Vous avez pu voir que j'ai ouvert mes premiers packs, etc. Donc si vous ne l'avez pas vu, parce que les bugs d'abonnement YouTube sont présents, hein. J'ai très récemment parlé à un ami qui me dit mais j'ai pas vu que t'as sorti de vidéo depuis au moins un mois. Donc le meilleur moyen les gars c'est d'aller voir sur ma chaîne de temps en temps. Et donc comme ça, enfin si vous avez raté la précédente vidéo, de toute façon elle sera dans l'outro à la fin de celle-ci de vidéo. Et puis ben tout simplement voilà, allez la voir, comme ça vous verrez un peu mes premières impressions sur FUT. Et là ben voilà, je vais vous montrer mes premières équipes. Je vais vous montrer un ou deux matchs. Et puis je vais vous donner quelques petits conseils qui pour moi sont intéressants et peuvent vous aider peut-être. Et puis voilà, donc vous pouvez voir que j'ai 13 000 crédits. Enfin si Boyardland pourrait partir, merci. Si vous, donc, vous pouvez voir que j'ai 13 600 crédits, que j'ai 116 victoires, 4 nuls et 11 défaites. Vous pouvez voir que j'ai 78 joueurs dans mon club, que j'ai 15 trucs dans ma pile d'échange, on s'en fout. Des packs, à part les packs de départ, j'en ai ouvert 3. Dedans, le seul gros joueur entre guillemets que j'ai eu, c'est Pastore, que j'ai vendu dans les 5000, un truc comme ça. Et à part ça, ben voilà, je me suis créé mes petites équipes tranquillement. Dans les gens que je connaisse, il y a Armega qui a tiré David Silva, il y a Tony qui a tiré Ribéry, et à part ça, c'est tout ce qu'on a tiré de gros, j'ai envie de dire. Moi, bien évidemment, j'ai tiré Pato. Si vous avez vu la précédente vidéo, j'ai tiré Pato dans mes packs de départ. Ça a fait bien plaisir, hein. Je l'ai revendu à 22 000. Donc je me suis mis bien directement. Et je réfléchis si quelqu'un d'autre a tiré un gros joueur. Schneider, encore Tony. Donc Tony, en gros, si t'es dans mes contacts, je vais aller te voir. Mon ami Tony. Donc Tony, le plus gros moulu d'entre nous. Le voilà. Non, pas Standard Liège. Tony, voilà. Tony, le mec, il a tapé Schneider, Ribéry, son cousin, je crois qu'il a tapé Schweinsteiger, boosté. Donc voilà, une famille de cocu, j'ai envie de dire. Non, sérieusement, dédicace à toi, Tony, mais voilà, il a eu pas mal de chance. Et puis voilà, moi, je vais vous montrer mes équipes. Alors, tout d'abord, on va sélectionner les équipes. Je vais vous montrer l'équipe Belgium Bronze. Ça, ce sera la première. Elle est déjà en équipe active. Là, voilà. Alors, une équipe 100% Bronze. Et 100% belge. Au goal, j'ai Wouter Bibo, un très bon gardien avec 64 de général, excellent au FC Malines. J'ai Perdicizi, voilà, Perdicizi en défenseur central gauche, très très bon malgré son seulement entre guillemets 60 de général. Weitens en défenseur central qui joue au Berscott, très très bon aussi. Osturk en défenseur droit qui a une très très bonne vitesse, si je ne m'abuse, 82 de vitesse. Et un joueur assez complet, j'ai envie de dire, pour un joueur bronze, pas mal du tout. À gauche, j'ai Moulemo, très bon aussi également, qui joue à court trait. Alors mes deux milieux défensifs centrales, donc vous pouvez voir également que je joue en 4-2-3-1 pour cette équipe de bronze. Mes deux milieux défensifs centraux, nous avons Lambeau, excellent Lambeau qui fait des très très grosses frappes de loin et qui défend très très bien. Et puis Ladrière, un des joueurs les plus complets, 5 étoiles en mauvais pied. Tout simplement énorme, regardez ses stats, assez complet, il a une bonne vitesse, il défend, il fait des bonnes passes, il a une frappe, on dirait qu'il a pas une frappe énorme, que 59, mais je vous jure qu'il lâche des mines de loin, c'est assez impressionnant. Ensuite, en milieu offensif central droit, j'ai Massimo Bruno, qui joue Anderlecht, un petit jeune qui sort qui sort du club, tout simplement, de l'équipe des jeunes, je crois, si je dis pas n'importe quoi, et qui commence à faire son petit bonhomme de chemin et qui a maintenant une place de titulaire à Anderlecht et qui joue très très bien. Et l'autre milieu offensif central, c'est Thorgan Hazard, le petit frère de Eden Hazard, qui a été prêté par Chelsea à Zulte Waregem en Belgique et qui est aussi très très bon, même si on 44 de tir, on pourrait se dire que c'est pas ça, mais il fait très bonne frappe et puis une bonne vitesse, de bonnes passes, etc. Donc un très bon joueur. J'ai combien de buts avec lui? 13 buts pour 34 parties jouées, pas mal du tout. Ensuite, j'ai ma petite perle. Alors là, c'est la découverte. En AT, j'ai mis KG. Hervé KG, tout simplement énorme. 36 parties jouées pour 44 buts. Juste énorme, les gens. Il n'y a pas d'autre mot. Il a des tirs, il a une frappe de dingue. Il fait des super belles passes. Il a une bonne vitesse. Il descend même pour aller défendre. Il est présent de la tête. Il sait faire des passements de jambes. Il a 4 étoiles en mauvais pied. Énorme, énorme. Il n'y a pas d'autre mot. Il est énorme.
Et en buteur, j'ai Roy Hinks qui joue à l'OHL, qui lui est un peu moins bon, qui peut aller mettre un but de la tête, ou qui peut aller marquer avec une frappe enroulée tout bêtement. Mais bizarrement, je me retrouve plus souvent avec KG en BU et Roy Hinks en AT, puisque je pense que Roy Hinks est un peu plus défensif que KG, et KG un peu plus offensif, donc ils s'échangent leur place entre guillemets, et ça fait une équipe très 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 complète. J'ai perdu très peu de matchs avec cette équipe, à vrai dire j'en ai perdu quoi, 4, un truc comme ça. Et puis voilà, sur le banc j'ai Castells qui joue en Bundesliga, j'ai Montaigne qui joue à Mons, Portier au Cercle de Bruges, pardon, Fabrice à Charleroi, Janssens au Cercle de Bruges également, Cuvelier, un nouveau joueur belge que je ne connaissais pas du tout, qui joue à Walsall, connais pas, en N-Power League 1, très très bon aussi. Bruno, l'attaquant de Lille, pour les Belges qui, pour les Français qui me suivent et pour les supporters du LOSC, peut-être que vous connaissez Bruno. L'Ardennois, Timmermans, excellent Timmermans également. Van Goutem, Sanusi, connaissais pas non plus dans FIFA 12 et maintenant que je connais. Et puis Koppens. Donc voilà, une équipe assez polyvalente. Excellente, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec. Et puis voilà. Alors ensuite, on va passer à l'équipe d'argent belge. Alors là, c'est déjà un peu plus sérieux. On va commencer avec Silvio Proto au goal. Pour moi, le meilleur gardien argent. 82 de plongeon, 81 de réflexe, 67 de position. Ça aurait pu être mieux, mais c'est pas mal du tout. Il est franchement très 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 bon. En défenseur gauche, j'ai Sébastien Pocognoli. Très très bon joueur également. Très très, très très polyvalent. Il peut monter en milieu gauche tellement qu'il est bon. Il monte très très souvent et bizarrement je me retrouve assez souvent à centrer avec Pocognoli, donc il se retrouve limite en attaquant gauche. Il a une bonne vitesse, une bonne défense, des bonnes passes, tout ce qu'on demande pour un défenseur gauche. En défenseur 3, j'ai Denis Sodoy, 80 de vitesse, 65 de défense, 70 de tête, 65 de passe, très complet, 4 étoiles en mauvais pied. Et puis un joueur que j'aime bien tout simplement parce qu'il joue à Anderlecht. Excusez-moi, je vais boire un coup parce que le commentaire s'annonce être long, hein. Préparez-vous à avoir une vidéo de... Allez. 40 minutes plus ou moins. On va essayer de pas faire plus parce que ma précédente vidéo c'était déjà 1 heure, donc voilà. Ah, ça fait du bien. Désolé pour les petits bruitages si vous avez entendu. Alors ensuite en défenseur central j'ai Laurent Simon qui joue au Standard, donc bonne entente avec Pocognoli. Et De Rijk, Timothy De Rijk ou De Rijk, je sais pas comment on dit. Très très bon défenseur central également. En milieu central, j'ai Overmeer, je ne l'avais pas testé dans FUT 12 et maintenant je l'ai testé en FUT 13, il est tout simplement énorme. En milieu gauche, j'ai Elganassi qui joue à West Bromwich, voilà, avec Lukaku, hein. Très très bon, 4 étoiles en geste technique, 3 étoiles en mauvais pied, il fait plein de gestes techniques, il est très 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 bon quoi, je pourrais tellement le mettre en buteur. Ou... Bah, à la base, il est attaquant gauche, hein. Je l'ai fait descendre en milieu gauche. Pour mon dispositif, mais il est très très bon, franchement excellent. À droite, Jonathan Lejar, tout simplement un de mes joueurs préférés en vrai, c'est pour ça que je le mets. Je pense que Gillet, que j'ai sur le banc, qui est là, vous voyez, hein, il est meilleur. Hein. Il a juste un peu moins de vitesse, mais à part ça, il est meilleur et un peu moins de dribble également. Mais c'est deux joueurs que j'aime beaucoup. Mais si j'avais envie de jouer avec Lejar, tout simplement pas pour sa vitesse, parce que. Voilà, je sais que sur FIFA on joue beaucoup la vitesse. Je suis pas quelqu'un qui joue à fond la vitesse. Moi je prends les joueurs que j'aime bien, s'ils sont rapides tant mieux. Mais enfin vous verrez que mes joueurs ils ont rien d'exceptionnel en vitesse. Donc voilà, je regarde mes défenseurs centraux. Ouais, 70 c'est pas mal quand même pour des défenseurs centraux. Enfin voilà, je suis pas quelqu'un qui joue à 300% la vitesse. Mais j'aime beaucoup le genre. Et donc voilà, pour le mettre dans mon équipe, Gillet a dû passer à la trappe. Mais c'est pas grave, il jouera dans l'équipe d'Anderlecht que je vais montrer juste après. Ensuite, j'ai El Khadouri, si je dis pas n'importe quoi. Voilà, El Khadouri, Omar El Khadouri. Très 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 bon, je ne le connaissais pas. Dans FUT 12, je ne pense pas qu'il existait. Et dans FUT 13, c'est tout simplement un excellent joueur. Donc je le conseille à tout le monde. Et alors, Odidja, énorme. Énorme. Vadis Odidja, il est tout simplement énorme. 4 étoiles en mauvais pied, 3 en geste technique. Frappe de dingue. Pour un milieu offensif marqué presque à tous les matchs, c'est pas mal du tout. Il est super complet, regardez sa carte, hein. 70 partout, même en défense alors que c'est un milieu offensif. Il a des bonnes passes, des bons tirs, une bonne vitesse, il sait dribbler, il est présent de la tête, il est exceptionnel, franchement exceptionnel. Et puis en buteur, Romelu Lukaku, qui est passé argent. Alors là, Romelu Lukaku, il a coûté 47 000, ça fait mal au cul, hein.
Mais je suis pas déçu, il est vraiment énorme. Bah, pour le prix, j'espère bien. Il est physique, il sait courir, il sait aller mettre la tête, il sait tirer, il fait des passes convenables. Il est bon, il est bon, il n'y a pas à chier, il est bon. Petit souci, bah, c'est quand même 47 000 quoi. Avant, dans FUT 12, il était en or à 78 de général, personne n'en voulait. Enfin, je voyais tellement peu de Lukaku sur le live. Et là, il est passé en argent à 74 brillant rare. Et là, tout le monde le veut. Et bah, j'en faisais partie et il est très bon. Alors sur le banc, je vais vous montrer quand même mon banc. J'ai Steinen qui joue au Berscott. Chimanga, 92 de vitesse. Donc vous voyez, je pourrais mettre Chimanga, mais je préfère 100 fois Sébastien Pocognoli. Boyata en centre. Boyens, milieu central. Van Damme, milieu gauche. Blondel, milieu offensif central. Benteke, buteur. Quand je trouve pas la solution avec Lukaku, ce qui est assez rare, je mets Benteke. Benteke qui est plus, un peu plus incisif, j'ai envie de dire. Qui se faufile plus en courant. Lukaku, c'est plus la puissance. Jouer le corps, mettre la tête, etc. Donc Benteke, très bon joueur, buteur également. Simice, Defoe, Guillaume Gillet et Jelle Vossen. Avec Van den Busch qui joue en gardien, mais je l'utilise presque jamais. Donc voilà. Voilà. Donc vous pouvez voir quand même, c'est une équipe qui coûte assez cher. Hein. Silvio Proto, 4 000. On va monter les joueurs. 4 000. Un autre gros joueur, Poco, 2 600, c'est pas rien. Lojar, 1 500, c'est pas rien non plus. 15 000 pour El Ganassi, 12 000 pour Djidja. 47 000 pour Lukaku, 5 500 pour Chimanga, 1 500 pour Van Damme, 11 000 pour Benteke, 1 000 pour Gillet, ça va. Et donc voilà, enfin, c'est quand même une équipe qui a coûté pas mal cher. Rien qu'avec Lukaku, El Ganassi, Odidja, on monte déjà facilement à ben, 47, 47 et 25, plus ou moins, ben, vite fait, un petit 75 000. Donc c'est une équipe qui vaut plus ou moins 100 000 en argent, les gens, c'est. C'est un budget, c'est un budget, mais je suis très content de cette équipe. Et puis en entraîneur, j'ai Ariel Jacobs, l'ancien entraîneur de Anderlecht. Donc ça, c'est pour mon équipe belge 100% argent. Et maintenant, on va passer à l'équipe d'Anderlecht que je viens tout juste de finir. Avec Silvio Proto au goal, Chikungunya Yate, Roland Joas. À droite, Denis Sodoy. À gauche, je sais quoi son prénom, Behrang Safari. Milan Jovanovic, Guillaume Gillet, Mathias Suarez, Lucas Biglia. J'oublie toujours son prénom à Vargas. Ronald Vargas, et Dieu merci, Mbokani devant. Sur mon banc, j'ai Kaminski, De Schacht, Neuting, Kleshtan, Molins, Kanu, Syriac, Aouzaoui, Wasilewski, Yakovenko, Fernando Canezin et De Sutter. Et comme entraîneur, Van den Brom, l'entraîneur actuel de Anderlecht. Alors c'est aussi une équipe qui m'a coûté pas mal cher, tout simplement parce que voilà, enfin tous les joueurs que là vous voyez, ils sont tous énormes. Biglia, j'hésite encore à mettre Kljestan, je l'ai pas encore beaucoup testé cette équipe. J'hésite à mettre Kljestan. Ça sera à voir, mais je préfère Biglia parce qu'il est plus défensif. Et il me faut un défenseur, presque un milieu défensif central à ce poste. Donc pour l'instant c'est Biglia, mais ça pourrait changer. Et puis voilà, enfin moi je fais mes équipes, personnellement je les fais à chaque fois. Un joueur pour chaque poste. Donc vous voyez, j'ai gardien Kaminski, j'ai gardien Proto. J'ai De Schacht en défenseur gauche, j'ai Safari en défenseur gauche. J'ai deux milieux offensifs centrales. Donc j'ai deux milieux offensifs centrales également. J'ai Kanu et Fernando Canizin. Vous voyez, j'ai les deux à chaque fois. Pour chaque poste, j'ai un nouveau joueur. Et puis un joueur peut-être que j'aime bien ou que j'ai déjà assez de joueurs à ce poste-là, mais que j'aime beaucoup et qui est assez bon, genre Tom De Sutter là par exemple. Donc là, vous pouvez voir, c'est une équipe qui m'a coûté relativement cher aussi. Proto, je vous l'avais déjà montré, mais Tom De Sutter, non. 1 800 quand même pour Canezin, c'est pas rien. 4 étoiles mauvais pied, 4 étoiles geste technique, très très bon. Mais bon, je préfère Mathias Suarez et Vargas, c'est pour ça que je le mets sur la banquette, Fernando. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Syriac qui est un 3 000, c'est pas rien non plus. Un autre gros joueur qui m'a coûté 8 000 pour Vargas. Mais Vargas, les gens, c'est énorme. 4 étoiles geste technique, 4 étoiles mauvais, 5 étoiles mauvais pied. Il est énorme. Il a juste pas de défense, mais c'est pas son rôle. Il a pas de tête, c'est pas son rôle non plus. Mais regardez, 79 de vitesse, 70 de tir, 71 de passe, 80 de dribble. Il est assez énorme. Mathias Suarez, 400. Yova, Biglia, 1 000 pour Gillen. Non, ça, je l'ai déjà dit, ça va. Safari, 2 000, pas rien. Chez Kukuyate, les gars, 60 000. Je viens tout juste de l'acheter. C'est énorme. Il est très très bon. Je l'ai déjà testé 2-3 matchs. Mais qu'est-ce qu'il coûte cher? Tout ça parce qu'il est argent. Il aurait été 75 or. Personne ne l'aurait acheté. Mais il est 74 rare argent. Tout le monde l'achète.
Mais c'est vrai que regardez sa carte, 74 de défense, 80 de tête, 83 de vitesse, 63 de passe pour un milieu, pour un défenseur central, pardon. C'est assez énorme. Safari, j'ai déjà montré, Roland Joueur, rien du tout. Et Odoi, pas grand-chose non plus. Donc voilà, ça c'est mes équipes, les gars. Alors, de bonnes équipes, hein. Moi je suis assez content de ces équipes-là. J'ai aussi commencé. Non, je voulais pas aller dans la boutique. J'ai aussi commencé mon équipe or, belge. Mais qui est toujours en construction et je l'aurai pas fini d'ici. Ce sera pas demain la veille que je l'aurai fini. J'ai Courtois au goal, Poco et Odoi, Mertens et Mirallas. Et sur le banc, j'ai déjà Jean-François Gilet, Chimanga, Defour, Chiadli, Nangolan, De Camargol, De Reyrolle, De Faou, Lama, De Bruyne et Mignolet. Il me reste en gros les plus gros joueurs. Hein. Là, c'est Vermaelen. Là, ce sera. Non. Là, ce sera Kompany. Milieu, ce sera Fellaini. Ici, ce sera Witsel, que je pourrais d'ailleurs acheter. Là, ce sera Dembélé. Et là, ce sera Eden Hazard. Et puis, j'ai encore une place sur le banc. Ce sera pour Yann Vertonghen. Mais bon, voilà. C'est une équipe qui va me coûter assez cher. Et voilà. Et puis, en entraîneur, Marc Wilmots. Comme en vrai. Alors je vais vous donner quelques petits. Ça fait combien de temps que j'enregistre? 16 minutes. Quelques petits conseils. Donc vous voyez là, coupe solo. J'espère que ça va pas planter. Ça ne plante pas parce que parfois ça plante quand je lance la compétition. Vous voyez que j'ai fait toutes les compétitions jusqu'à arriver aux deux dernières que je ne peux pas encore faire puisqu'il faut 5 étoiles. Enfin des équipes 5 étoiles, ce que je n'ai pas encore. Et ben voilà, comme petit conseil, quand vous arrivez sur FUT, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, vous avez votre équipe bizarre, enfin assez mixte. Complètement aléatoire que vous recevez dans le pack de départ, faites un maximum de coupes avec cette équipe-là. Tout ce que vous pouvez, faites avec cette équipe-là. Et puis voilà, tout simplement, allez-y à fond, les gens. Faites tout ce que vous pouvez avec cette équipe-là pour nettoyer vraiment. Faire des matchs assez simples, genre amateur, semi-pro, etc. Allez-y avec vos équipes assez pourraves. Comme ça, vous dépensez pas des contrats, parce qu'au début, les contrats, ça coûte assez cher pour quelqu'un qui débarque sur FUT. Là, vous voyez, j'ai fait les trois compétitions en ligne aussi. J'ai fini la division 1 en solo, je l'ai gagné. Et là, je suis en saison, division 4 en saison en ligne. Donc, comme je l'ai dit, quand vous recevez votre équipe de départ, je vais aller prendre mon équipe bronze pour vous montrer. Quand vous recevez votre équipe de départ, par exemple, voilà, vous recevez Perdicizi dans votre pack de départ, vous l'aimez pas, vous n'avez pas envie de faire une équipe de Zulte Waregem ou d'une équipe de Belge, etc. Donc, voilà, vous faites un maximum de matchs avec lui, pardon, et avec vos autres joueurs. Et puis quand il reste à votre défenseur, là, en soi Perdicizi, quand il reste un contrat, vous allez le revendre. Pourquoi? Bah, à un contrat, il n'est pas marqué avec un encadré rouge, besoin de contrat. Il marque juste, voilà, il a un contrat. Vous allez le revendre à 150-200 en achat immédiat. Et là, les gens qui font pas attention au contrat, ils vont aller l'acheter. Et puis vous, avec ces 200 crédits, vous allez racheter Perdicizi si vous l'avez bien aimé, ou un autre défenseur central que vous préférez, au même prix, à 200, mais de nouveau avec plein de contrats. Donc du coup, vous mettez jamais de contrat à vos joueurs, vous faites toujours tourner plein de joueurs, et bah, du coup, vous faites blinder d'économies les gens. Je vous assure que à chaque fois que j'avais un joueur qui lui restait un contrat, j'allais le revendre, il se faisait acheter, je rachetais le même ou un autre à 200, donc le prix auquel j'ai revendu le joueur, et puis j'étais reparti pour 7 matchs sans payer un seul contrat. Donc ça, c'est le conseil que je peux vous donner. C'est une technique assez fourbe, j'ai envie de dire, mais ça marche vraiment, vous faites beaucoup d'économies, surtout au début quand on n'a pas beaucoup d'argent. Donc franchement, faites-le. Croyez-moi, faites-le. C'est une bonne technique. C'est une bonne technique. Ensuite, vous créez. Faut pas aller trop vite, en gros. Parce que je vois que, par exemple, Badju78, le membre de la Hypra Gaming, j'ai vu qu'il voulait absolument directement avoir des gros joueurs or, des joueurs argent, etc. Mais c'est pas ça. Enfin, faut pas aller trop vite. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de créer une équipe bronze que vous aimez. Donc moi, j'avais envie de faire une équipe belge bronze. Et je l'ai fait petit à petit. J'avais pas encore mon équipe argent, mais je me suis créé petit à petit, pardon, mon équipe belge bronze, jusqu'à ce qu'elle devienne là, ce que vous voyez à l'écran, avec tous les joueurs que là vous pouvez voir. Et tout simplement, bah voilà, j'ai attendu de faire cette équipe, et maintenant elle est très bien, elle est très compétitive. Et puis voilà, enfin, faut pas vouloir acheter des joueurs trop vite, parce qu'après vous voulez acheter par exemple un gros joueur or directement. Voilà, vous devez lui payer des contrats très chers, vous devez. Il s'entend avec personne dans votre club, etc. Donc voilà, faut vraiment pas aller trop vite dans ce jeu, faut prendre son temps. Et donc petit à petit, d'abord une équipe de bronze, puis une équipe d'argent, puis une équipe d'or, et puis plein d'équipes mixtes. Autre argent mixte avec or, une autre équipe or, autre chose que la Belgique, par exemple, dans mon cas. Mais voilà, faut vraiment pas aller trop vite. Et vous verrez que vous perdrez pas trop de crédit, que vous ferez beaucoup d'économies et vous gagnerez beaucoup de coupes. Donc voilà, quand moi j'avais fini mon équipe bronze, là que vous voyez à l'écran, j'ai fait tous les tournois possibles. Donc les tournois bronze en ligne,
donc la compétition bronze en ligne, et toutes les coupes solo bronze que je pouvais faire avec cette équipe-là. Une fois que ça se dédicace à Armega des 50 qui vient de se connecter, il va très certainement aller jouer à FUT d'ailleurs. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Et puis quand vous avez fait tout ce que vous pouvez, vous créez votre équipe d'argent. Et là, vous faites tout ce que vous pouvez avec votre équipe d'argent, puis l'équipe or, et puis vous faites tout ce que vous pouvez avec votre équipe or. En gros, faut pas aller trop vite. Faut pas vouloir faire les trophées solo par exemple avec une équipe or directement, ça sert à rien. C'est faisable avec des équipes argent et bronze. Donc faites-le. Et comme ça, vous ferez beaucoup d'économies. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À part ça, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil? Pour moi, c'est le meilleur conseil pour bien débuter, hein. Revendre vos joueurs quand il leur reste un seul contrat. Ça, c'est vraiment pour moi une des meilleures techniques. Et puis comme ça, vous récupérez un autre joueur à 7 contrats et vous êtes reparti. 7 contrats, je veux dire, enfin, c'est le nombre de contrats que le joueur a de départ, hein. Donc c'est pour ça que je dis 7 contrats. Et puis voilà. Et puis dès le début, essayez de faire... Enfin, pas dès le début en fait, moi je l'ai fait assez tard. Les tâches manager, ça vous permet d'avoir un pack or. Donc réaliser cette petite tâche manager. Ce qui est assez chiant, c'est quand par exemple changer le ballon du club. Avant, les ballons dans FUT 12, ça se vendait à 200 en achat immédiat. Et là, il y en a qui sont à 400 et tout. Donc voilà quoi. Si vous connaissez quelqu'un qui a deux ballons, demandez-lui s'il veut bien vous le donner. Mais allez pas trop vite, ça sert à rien de dépenser. Dès que vous avez 50 crédits, à vouloir aller acheter un ballon parce que vous avez pile 350, ça sert à rien. Prenez votre temps pour avoir ce pack. Moi, j'ai pris mon temps pour l'avoir. Enfin, j'ai pas eu grand-chose dedans, si je me rappelle bien. Mais voilà. Est-ce que je peux vous dire d'autre? Défier l'équipe de la semaine. Ça vous donnera des crédits, hein. Moi je l'ai défié deux fois, défié emporté deux comme vous pouvez voir. J'ai battu cette équipe-là et l'équipe de la semaine passée. Une fois en international, j'avais gagné 2-0 assez facilement. Et donc je me suis dit, bon bah on va la tenter en légende. Et j'ai regagné 2-0 assez facilement. Donc à chaque fois avec mon équipe de bronze, donc c'est faisable quoi. Faut pas avoir peur de que ce soit des cartes boostées parce qu'il n'y a aucune entente entre tous ces joueurs en fait. Il n'y a aucune entente, il n'y en a aucun qui vient du même championnat, aucune même nationalité. Donc le collectif, vu que le collectif est vraiment important dans FIFA 12, dans FUT 13, pardon, n'importe quoi. Le collectif est vraiment important, donc privilégiez le collectif, même si vous devez mettre un bon joueur sur le banc. Franchement, privilégiez le collectif, c'est énorme le collectif. Là, regardez mon équipe de bronze, hein. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Là, regardez mon équipe de bronze. Ils ont que des traits verts, le collectif est à 100, ils ont tous 99 de forme, 99 de morale, ils sont tous à leur bon poste, bon dispositif, etc. Et c'est une tuerie cette équipe. C'est tout simplement une tuerie. Après, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est aller sur le site FUTED, que je mettrai dans la description si j'oublie pas. Le site FUTED, vous pouvez vous créer vos propres équipes avec le créateur d'équipe sur le site FUTED. Tout simplement, vous recherchez le meilleur gardien bronze à 200, enfin pas à 200, mais le meilleur gardien bronze, je sais pas, belge. Enfin, c'est comme ça que j'ai créé mes équipes, moi, personnellement. Je vois cette équipe-là. J'ai été voir meilleur gardien bronze belge. J'ai vu Waterbibo, je l'ai acheté. Ensuite, deuxième meilleur gardien bronze belge. J'ai vu que c'était Castels, je l'ai également acheté. Donc voilà, vous faites vraiment ça. Vous achetez joueur par joueur les meilleurs qui vous semblent. FUTED, c'est un très très bon site. Je vous le conseille à tous. Je vais vraiment essayer de me rappeler de le mettre dans la description. Et puis voilà, on peut créer des équipes très facilement et c'est assez énorme. Faut juste créer un compte pour créer des équipes, mais c'est gratuit donc voilà. Enfin, si je dis pas de conneries, à moins que maintenant ce soit. Non, faut quand même créer un compte, je crois. Et puis voilà. Donc voilà, j'espère que ces quelques petits conseils auront pu vous aider. Je vais quand même changer d'équipe pour lancer un petit match. À quelle équipe j'ai joué bronze? Je pense pas que ça vous intéresse. L'équipe d'Anderlecht, je pense que ça intéresse juste les fans d'Anderlecht. Bon, on va jouer avec l'équipe d'argent. Avec l'équipe d'argent, hop. On va lancer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lancer? La division en ligne. C'est pas que c'est difficile, mais c'est juste que les gens, ils ont déjà des cartes or. Et tout simplement, j'ai 11 défaites, là, vous pouvez voir, j'en ai perdu au moins 6 en saison en ligne. Parce que les gars, ils avaient quoi? Ils avaient deux fois au devant. Ils avaient Welbeck. Sur les côtés, ils avaient Young et Walcott. Enfin, voilà, en gros, enfin, je sais pas si vous connaissez un peu ces joueurs-là, mais ils ont tous presque 85 de vitesse et plus. Enfin, ils ont tous 85 de vitesse et plus, si je dis pas n'importe quoi. Et donc, c'est impossible de les rattraper, quoi. Malheureusement, il y a encore des joueurs qui jouent que la vitesse. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça.
Donc voilà, j'ai perdu assez bêtement dans ce mode de jeu-là. Donc j'arrête pour l'instant, j'attends d'avoir une équipe or pour retourner faire de la saison en ligne. Saison solo, j'ai gagné, c'est contre l'ordinateur, c'est assez ennuyant. Ça, j'ai tout fait. Bon, on va faire une compétition en ligne, j'espère que ça va pas planter. Ça ne plante pas, ouf, heureusement. Moi, je sais pas pour vous, hein, mais quand je lance compétition en ligne, ou compétition solo, ou une saison ou quoi, parfois ça plante, je dois redémarrer la play, c'est assez chiant. On va lancer une coupe gold, les gens. Parce que nous, on est des bonhommes, hein. On va tenter avec une équipe d'argent le premier tour de la truc de la truc de la coupe or, pardon, de la truc. Je vais reboire un coup, les gens, parce que j'ai soif, c'est la vie. Je sais pas. Je pense que je vais faire plus de live, pardon. A priori, maintenant, les gens, parce que bah, tout simplement, je vois pas l'intérêt de jouer à FIFA quand c'est pas en live. Il y a une bonne connexion, je joue à l'extérieur. Bon, ok, ça me dérange pas trop, je m'en fous. Fais péter mon chou. Donc, ouais, je vais faire plus de live tout simplement parce que je suis plus à l'aise. Attendez, je regarde vite son équipe. Une équipe or, normal. David Luiz, Mbia, très bon. Asu Ekoto, vitesse. Devant, Welbeck, assez rapide. Non, ça va, c'est pas un gars qui joue trop trop la vitesse. J'ai déjà vu bien pire, donc ça va être un match intéressant, j'ai envie de dire. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc je disais plus de live, hein, tout simplement je vois pas l'intérêt de faire un match et puis de vous le commenter en différé. Et puis voilà, je préfère, je suis plus à l'aise, là je peux parler de tout, n'importe quoi, etc. Alors que quand j'ai fait un gameplay par exemple sur Call of, je regarde mon gameplay et je dois noter sur un bout de papier tout ce que je dois vous dire, etc. Là, ça vient comme ça au feeling, je préfère 100 fois plus. Donc c'est pour ça qu'à mon avis je vais faire pas mal de live sur FIFA. Et en particulier sur Foot. Alors après, petite question que j'avais envie de vous poser, un petit sondage. Est-ce que vous préférez... Ok, bonjour, il est tombé tout seul. Est-ce que je voulais vous demander... Oh, Proto, mais il faut capter ça, mon ami. Attendez 2 secondes, parce que là, il a déjà une occasion. Non, c'est bon. Attendez, faut que je me remette dans le bain, là. J'ai l'impression de faire n'importe quoi. Bon, allez, ça va aller tranquillement. Est-ce que vous préférez... Est-ce que vous voulez que je fasse beaucoup de Foot? Est-ce que vous avez envie de voir par exemple mon défense, mon joueur pro Jawan, que je créerai très certainement un jour. Est-ce que vous voulez voir Jawan évoluer? Donc en gros vous voulez que... Oh le poteau, ça commence bien. Et double poteau, ah il rentre quand même. Oh Jijofa, énorme Jija, les gars, je vous l'avais dit. J'ai l'impression que mes joueurs ils sont super ralentis. C'est une sensation assez bizarre, c'est pas grave. Donc est-ce que vous voulez que, je sais pas, vous voulez des lives sur FUT, vous voulez des compétitions entières sur FUT, donc genre la coupe or que je suis en train de faire, vous voulez que j'arrive au premier tour et que je fasse toute la compétition or en live avec vous, un peu comme Ronny HDF, pour ceux qui connaissent un autre youtubeur FUT que moi, hein. Enfin je me considère pas comme un youtubeur FUT puisque voilà, je fais des vidéos sur FUT mais je suis pas spécialisé dans FUT. Est-ce que mes joueurs peuvent courir? J'ai l'impression qu'ils ont tous... Ils ont tous un sac à dos de 85 kg sur le dos. C'est assez impressionnant. J'ai l'impression de contrôler des paquebots. Je sais pas ce qui se passe. J'aurais peut-être dû jouer à domicile. Je sais pas si c'est ça. Enfin, c'est pas grave. Je gagne 1-0. Pas de panique. On va essayer de construire tranquillement. Donc voilà. Est-ce que vous préférez ça? Est-ce que vous préférez que je fasse. Ouais, mon pro virtuel. Mon pro virtuel Jawan. Que je ferai évoluer dans différents clubs. Puis qui sera peut-être appelé à aller. Au Barça ou au Real ou quoi. Est-ce que ça vous intéresse ça? Est-ce que vous préférez les lives sur FUT? Est-ce que vous voulez voir une carrière où c'est moi l'entraîneur et je fais monter, je sais pas, Anderlecht au sommet ou quoi? Prendre la nani, il va courir, là ça va. Là ça va, il rattrape pas. Proto, peut-être une bonne sortie. Ah, dommage, il aurait dû tirer du droit, une nani, hein. Il est pas gaucher. Il est pas gaucher, nani. Je dis pas n'importe quoi, je passe pas par un blaireau. Non, nani, il est droitier si je dis pas n'importe quoi. Mais voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Moi je suis bien chaud au FUT. Pourquoi pas si vous y tenez vraiment. Mon défenseur. Ah non non non. Ah putain, mon joystick il est resté bloqué, fuck. Je voulais bifurquer plus vers la droite. Ah bien joué de sa part, là il m'a un peu passé facilement. Vas-y Odoi, tu te fais pas passer, voilà, champion. Ouais, les gars, si on pouvait se dégager un peu convenablement. Non. On dégage. Voilà. On est propre, on dégage proprement, n'est-ce pas? On donne un corner à l'adversaire, c'est pas grave. Proto, une belle sortie. Voilà, Proto. C'est pour ça que je t'ai acheté, mon ami. C'est pour ça que je t'ai acheté. Alors là, par contre, sa défense, voilà quoi. Ils sont un peu 25. Passe en profondeur.
Ah, Overmer, il est parti. Ah non, non, c'est Elkadoury. Elkadoury. Allez. Oh, oh, le physique Elkadoury. Oui. Oh là là, il est passé, David Luiz. La frappe enroulée. Oh, dommage. Dommage. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont lents, mes joueurs. Pourtant, ils ont une bonne forme, une bonne morale. Je comprends pas. C'est étonnant. C'est assez étonnant. Ouais, mais bon, là, voilà. Oh, petit contre. Favorable. Overmer, c'est goal, ça. Voilà, tranquillement. Bon joué, ça, Overmer. Petit compte favorable, hein, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Maintenant, ça va être de l'improvisation totale. Même si je vous avoue que c'est pas comme un commentaire différé, hein. Je me note pas sur un bout de papier ce que je dois vous dire. Je me dis juste dans la tête, ok, je dois leur parler de ça, leur donner quelques petits conseils. Sans vouloir me vanter, hein. Enfin, certaines personnes diront peut-être, ouais, comment il se la pète, il ose donner des conseils, etc. Machin, mais voilà, c'est juste que fut, j'y joue pas mal, donc vous donner quelques petits conseils, voilà. C'est pas pour être prétentieux ni rien, c'est pour vous aider avant tout. Bien joué, Roland Simon, j'allais l'appeler, mais n'importe quoi. Non, Drake, Nani. Ouh, Silvio Proto, champion. C'est bon ça, Proto. T'es un bon. Ouais, Simon, dommage, il la met d'or. Préférez qu'il la mette en touche et pas en corner. Vas-y, Proto, tu l'as. David Luiz, attention à David Luiz. Faut le bloquer, les gars, faut le bloquer. Ouf. Il avait réussi à pivoter, l'enfoiré. L'enfoiré. Donc voilà, peut-être que certaines personnes me diront, mais Jawan, t'es trop con là. Pourquoi t'as acheté des vieux joueurs argent à 60 000 là ou à 45 000? Bah, parce que c'est des joueurs que j'avais envie dans mes équipes, que j'aimais bien. Et puis, puis voilà, j'ai mis le prix fort. Peut-être que dans 3 semaines, ils seront plus qu'à 20 000. C'est dommage, mais bon, voilà. Tant pis, on apprend de ses erreurs. J'avais vraiment envie d'avoir ces joueurs, donc voilà. Oh, Lukaku, c'est beau ça. Lukaku, le coup de rein. Oh, dommage, belle sortie de. Je sais même pas qui c'est son gardien. Allez, le Ganassi. Oh, bah toi, dommage. Dommage. En bas, il est parti. Oh, j'ai voulu anticiper. Je vais me faire baiser. En jeu. Je sais pas qui c'est lui. Je me méfie parce que c'est un noir. Pas parce que je suis raciste, hein, mais parce que les noirs ils courent vite. Donc, je me méfie. Ouais, mais là il me laisse aucune solution, le bonhomme là. Ok. Elkadoury. Ah, oh, dommage, le passement de jambe. J'allais partir directement sur la gauche. C'était bien tenté. On va se concentrer histoire de pas prendre de goal bêtement. Parce qu'au début, le petit conseil que je peux encore vous donner, au début, vraiment privilégier le fait de pas encaisser. Parce qu'à chaque fois que vous allez encaisser, vous allez prendre. Ah, dommage. Vous allez prendre des crédits en moins. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire un hors-jeu, une faute, une carte, enfin un carton, carton jaune ou rouge, hein, à chaque fois que vous allez faire un hors-jeu, je l'ai dit, à chaque fois que vous allez faire un tacle, à chaque fois que vous allez encaisser, etc., vous allez perdre des crédits. Enfin, pas vous allez perdre, mais vous n'allez pas gagner autant de crédits que ce que vous aurez pu gagner si vous n'aviez pas fait autant de fautes ou d'hors-jeu ou je ne sais quoi. Et le Elkadoury, la frappe enroulée, mais trou de balle. Oh, je vais ok, les gens. Fait chier, le hockey en commentaire, ça craint. Ok, Simon qui se sent plus, Simon qui sort de sa défense, la passe pour Lukaku, il pivote Lukaku, il tire Lukaku, il a une bonne frappe. Ça va tranquillement, troisième poteau. Hein. Troisième poteau, les gens, il y en a un qui est rentré, poteau rentrant, le premier but là. Mais trois poteaux. Voilà quoi, ça pouvait rentrer directement, ça m'aiderait. Et le Elkadoury, la frappe enroulée, dommage, elle était pas très belle. Donc voilà, si franchement, si vous avez. Si vous aimez aussi la Belgique, je sais que j'ai pas mal de gens belges qui me suivent. Il y a également des Français, hein, je ne vous oublie pas, mes petits abonnés français chéris. Mais voilà, si vous avez envie de vous faire une équipe de Belges, allez-y, franchement, c'est une tuerie. Surtout pour l'équipe de bronze, parce que très clairement, on est plusieurs à avoir acheté FUT, hein, que ce soit... Enfin, acheté FIFA, pas FUT. Attends, je vais passer start pour qui... Mais non, je ne veux pas remontrer les actions, j'ai pas envie de faire chier mon adversaire. Vous voyez là, Alexandre, il a FIFA 13, Anonymous aussi, Armega aussi. Yoshi ne l'a pas malheureusement. Standard Liège, Tony, BXL il l'a également. Roro 14, Bullrot, ils ont tous acheté FIFA 13. Et il y en a pas mal qui ont fait une équipe de Belges, c'est-à-dire entre guillemets Armega, BXL et bientôt Bat, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Ben franchement, faites-vous une équipe belge bronze parce que c'est un budget vraiment. Vraiment très très petit, hein. je crois qu'on peut dire ça comme ça. Les joueurs bronze belges ne coûtent pas du tout cher. À part peut-être Thorgan Hazard, mais ça c'est parce que les gens ils voient Hazard sur la carte, alors ils se disent wouhou, on va acheter Hazard.
Alors que c'est juste son petit frère. Il est bon aussi, hein, mais bon, il casse pas trois pattes à un canard non plus. Mais voilà, franchement, la roulette qui servait à rien, c'était magistral. Ah, mais là, j'arrive pas du tout à passer. Ah, allez, Lukaku. Ah, dommage. Dommage, dommage. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont un putain de sac à dos de 80 kilos sur leur dos. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Après, je vais refaire un match, je crois. Attends, combien de minutes? 35 minutes de vidéo? Ah, en vérité, je suis pas sûr, hein, les gens. Je suis pas sûr. J'aime bien faire des longues vidéos maintenant. J'y ai pris goût à force de jouer à fut. Mais je vais pas vous faire non plus des vidéos où voilà. 3 vidéos d'affilée d'une heure. Ça va être un peu gavant pour vous, je crois. Donc voilà. Mais ouais. Je pense qu'on va s'arrêter sur ce petit match qui, à mon avis, va se transformer en victoire si je ne fais pas n'importe quoi. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Ça passe quand même. Contrôle de merde. Dommage. Je me rends compte également que c'est pas le plus beau match que j'ai à vous proposer, mais voilà, c'est la vie, on peut pas faire des matchs de dingue à tous les matchs. Allez, tu peux passer devant El Ghanassi. Oh oui, bats-toi. Oh, non, c'était El Khadouri, pas El Ghanassi. Il s'était bien battu quand même. Oh, Derek, la frappe. Oh, dommage, Derek qui récupère. Dommage. Oh, on va se manger une contre-attaque. On va se manger une contre-attaque. Pocognoli, cours, faux, cours. Bien vu, ça, Poco. Par en achevé nimp, voilà, voilà. Ah, c'est bon. J'ai cru qu'il allait me prendre le ballon et qu'il allait marquer. Je m'en sors bien, je m'en sors bien. J'ai fait un peu le con là en défense. Oh les gars, mais. Oh les passes quoi, les passes. Là vous allez vous dire, mais il se fout de ma gueule. T'as vu le gameplay qu'il nous propose alors qu'il a une équipe à 100 000 en argent là. Ouais, désolé, les gars, je vous l'ai dit. C'est pas le plus beau gameplay que j'ai à vous proposer. Mais voilà, petit but de Lukaku. Hein, vous voyez là au physique, il était vachement présent. Regardez là, c'est David Luiz, hein, les gars. Rien à foutre du corps à corps, allez dégage. Et puis grosse frappe et ça rentre. Lukaku. 45 000 ça fait quand même mal au cul. Hein. Quand on paye 45 000 ça fait mal. Mais voilà, il est... il est bon après. Est-ce qu'il vaut vraiment 45 000? Je suis pas vraiment sûr. Mais... Voilà, c'est les joueurs qui décident du prix sur le live. Hein, et les joueurs ont décidé que ce soit aussi cher. Non, tant pis, voilà. C'est comme ça. Pendant là, non. J'ai cru qu'il pourrait intercepter, mais malheureusement... Ojija n'était pas en bonne posture pour intercepter. Bien. Mais pourquoi je veux l'appeler Roland? C'est le. C'est pas Laurent. Si, c'est Laurent Simon. Roland Simon, Laurent Simon. Laurent. N'importe quoi. Je vais me faire insulter dans les commentaires par Standard Liège qui est fan du Standard. Je sais même pas comment s'appelle Simon. Ah, énorme blague. Bon, on se met devant, les gars. Voilà, tranquillement, proto. Franchement, les gars, un proto. Hein. Très, très, très bon. Il n'y a pas à chier. Hein. Il est énorme. Il est énorme. Je vous l'ai dit, un des meilleurs gardiens argent. Bon, pas belge, mais argent tout court pour moi. Oh, j'étais passé. Donc là, si vous vous demandez comment je fais ces mini gris-gris, je reste appuyé sur L1 et puis je bouge mon analogue gauche dans tous les sens. Et puis à force, vous allez savoir où aller exactement. Mais ça fait des petits gris-gris comme ça et parfois, ben, ça peut mettre l'adversaire complètement dans le vent. Et là, hop, et puis je repars à gauche. Genre là, je l'ai mis dans le vent. Donc ça marche du tonnerre. Ojija, il est encore. Non, dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon, bah 3-0, les gars. Un match assez facile. Par contre, là, peut-être me prendre une contre-attaque. Parce qu'il y a quand même de la vitesse devant. Il en a pas trop profité. Parce qu'à mon avis, Jones, il doit quand même avoir une bonne vitesse. Et Welbeck, il a une excellente vitesse. Donc voilà. Mais voilà, c'est pas un gars qui joue que la vitesse. Il y a vraiment des gens, les gars, vous voyez. Que ce soit cette... Sur les flancs, je peux comprendre encore que ce soit rapide. Même si parfois c'est abusé, je peux encore comprendre que sur les flancs, ce soit vif. Oh, belle lucarne de Lejar. Je peux comprendre que ce soit des joueurs assez rapides. Mais alors quand je vois des gars en milieu ou en défenseur central qui ont 80 de vitesse et plus, je me dis, ok, allô. Allô, quoi, mais tu te fous de ma gueule. Donc voilà, moi j'ai un gros joueur de vitesse, c'est Kouyaté. En même temps, il coûte 60 000. Mais c'est en gros, c'est pour faire mon équipe d'Anderlecht. C'est pas pour me dire, ouais, je vais m'acheter un gros joueur de vitesse. C'est parce que je veux faire l'équipe d'Anderlecht et Kouyaté est très clairement le meilleur défenseur central à Anderlecht. Actuellement, juste pour l'équipe d'Anderlecht, j'hésitais à mettre Joas à côté de Kouyaté ou à mettre Neuting, pour ceux qui connaissent. Hein, la nouvelle recrue d'Anderlecht, Neuting, le Hollandais. Ça j'hésite encore, faut que je teste un peu plus. Moi j'adore Roland Joas, en vrai. C'est pour ça que j'aime bien le mettre. Après voilà,
faut que je fasse quelques petits matchs avec ces équipes. Donc là, vous pouvez voir que mon équipe de bronze et mon équipe d'argent, elles sont complètement rodées. J'ai fait plein de matchs avec et donc j'ai mis pour moi le meilleur dispositif et les meilleurs joueurs possibles sur le terrain. Juste l'équipe d'Anderlecht, je dois encore faire quelques matchs avec, enfin quelques matchs, beaucoup de matchs avec, pour pouvoir me dire non, en fait lui il est meilleur là. En titulaire, je vais pas mettre lui, mais je vais plutôt mettre lui. Mais voilà. Voilà. Et certaines personnes vont sûrement se demander et se dire, mais comment il a fait pour avoir autant de crédit là? Je vois, il a acheté Kouyaté 60 000, Lukaku 45 000. Comment il a fait? Ben franchement, avec les techniques que je vous ai dit, les gars, utilisez vraiment tous vos joueurs. Il a quitté? Soit. Vraiment, tuez tous vos joueurs à fond. Dépenser tout leur contrat et puis aller leur vendre quand ils ont un contrat, comme ça les gens ils font pas attention, ils vous le rachètent. Faites vraiment attention à toutes vos dépenses. Au début, c'est pas le moment d'acheter le maillot et les cuissons de votre équipe préférée ou un nouveau ballon ou un nouveau stade. Privilégiez d'abord l'équipe. Faites-vous une bonne équipe bronze. N'allez pas trop vite à vouloir acheter directement des joueurs or, ça sert à rien. Et puis voilà, c'est les meilleurs conseils que je peux vous gagner. Vous gagnez beaucoup de crédit et comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait 3 équipes entières et pas des équipes n'importe comment, des équipes limite gros budget. Enfin, pas limite, gros budget, des équipes, gros budget. Et puis, il y a également Étienne qui m'a prêté 50 000 pour que je puisse finir ses équipes. D'ailleurs, là, vous voyez, je suis à 14 000. Je vais certainement encore économiser 35 000 et puis je vais lui rendre directement. Donc, merci à toi, Étienne, si tu vois cette vidéo, de m'avoir prêté cet argent. Et désolé, j'étais en train de m'étendre. Et puis, puis voilà, après que j'aurai remboursé Étienne, j'économiserai petit à petit pour me payer mon équipe or. Mais bon, mon équipe or, c'est du lourd, hein, mon équipe or, c'est du lourd, l'équipe belge, il coûte cher cette année, hein. Que ce soit même un Fellaini ou un Dembélé, ça coûte directement très cher, Kompany, bien sûr que ça coûte cher, Fellaini, bien sûr que ça coûte cher, expiré, mais c'est expiré tout ça ou pas? Enfin, ouais, ça va être expiré dans pas mal, dans quelques secondes. Donc c'est clair que ça va coûter relativement cher, et puis juste Hazard, je vais aller voir avec vous d'ailleurs. C'est clair que Hazard, ben lui, il va me coûter une jambe. Il va me coûter une jambe. Mais bon, c'est la vie. Quand on veut ses joueurs préférés, ben il faut y mettre le prix. C'est ce que j'ai fait pour mes joueurs argent. Et puis voilà quoi. Nationalité belge, Barclay, il joue à Chelsea. Ah, j'ai peur de ce que je vais voir. À 100 000. Ah, je vois 132 000. Pourquoi pas, 130. Enfin, 100 000 et plus quoi. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ah ouais, Denaza, ce sera très clairement le gars que j'achèterai en dernier. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ou alors, je l'ai dans la pack et là, c'est nickel, mais j'y crois pas trop, vous voyez. Et puis, dernière petite chose, j'ai l'impression qu'on gagne beaucoup plus vite des crédits dans FUT 13 que dans FUT 12. FUT 12, on voyait vraiment que les crédits, ils avançaient doucement. Ça nous enlevait vraiment un morceau du cul d'acheter un pack à 15 000. Alors que là, des packs à 7 500, on en achète limite un tous les jours, quoi. Tellement que ça va vite. Donc on gagne vraiment plus de crédit sur ce jeu. Et puis voilà, quoi. J'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite, donc on pourra acheter des joueurs bien plus vite également. Et puis dernière petite chose, je sais pas si je vous l'avais précisé. Je vais le repréciser si je l'ai fait. Et je vais vous le préciser pour la première fois si je ne l'avais pas encore fait. Un petit truc qui pourra peut-être vous aider. Allez, vous quittez Ultimate Team. Si tu peux te manier, s'il te plaît, ça m'arrangerait. Voilà. Alors, vous allez dans IESFC. Et là, avec vos crédits, enfin vos points FIFA, entre guillemets, que vous avez en bas à droite, là, que vous voyez en haut, à côté de la petite médaille de bronze, j'ai 2155. Donc, bah tant pis, je le répète, hein, si les gens n'ont pas vu la précédente vidéo. D'ailleurs, allez la voir, comme ça vous verrez mes débuts sur FUT. Donc, vous voyez, là, vous faites tous les éléments avec R1, vous choisissez Ultimate Team, si vous jouez que à Ultimate Team, et puis vous regardez par rapport à vos tranches de niveau, et vous voyez là par exemple, augmenter la pile de consommables 500. Donc vous payez 500 et votre pile de consommables passe de 50 à 75, à 75. Donc ça c'est pas mal du tout. Et puis c'est pas ça. Emplacement supplémentaire. Mais j'ai pas acheté ça. Ah ouais, ok. Et donc là, vous voyez, plus grande pile d'échange également. Pile d'échange, ben voilà, vous serez plus bloqué à 30 cartes dans votre pile d'échange. Vous pourrez avoir jusqu'à 40 cartes dans votre pile d'échange. Et puis, vous pouvez acheter des trucs.
genre un truc que j'ai acheté moi, voilà, 1000 fois 15, donc ça veut dire à chaque match que vous allez jouer, vous allez gagner 1000 crédits en plus, quoi qu'il arrive, que vous gagnez, que vous perdez, vous allez gagner 1000 crédits en plus des crédits normaux que vous avez gagnés pendant le match. Comme ça, voilà, vous pourrez tout simplement bah, gagner plus vite des crédits. Donc voilà, encore un petit truc qui fait avancer plus vite les crédits sur, sur FUT. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. 45 minutes, c'est quand même assez conséquent. On va pas faire plus. Merci d'avoir regardé la vidéo, les gens. Pensez à laisser un pouce bleu. Pensez à aller voir la précédente vidéo si vous ne l'avez pas vue. Pensez au pire à faire désabonner, réabonner pour être sûr qu'il n'y ait pas un bug YouTube, etc. Allez voir sur ma chaîne pour être vraiment au courant le plus souvent possible de mes nouvelles vidéos. Et puis, puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez dans les commentaires, comme je vous ai demandé, hein, si vous voulez une série particulière sur FUT, ou sur une saison, une carrière, ou quoi que ce soit, avec mon pro virtuel, etc. Ou, ouais, enfin, voilà, dites-moi ce que vous voulez, c'est votre chaîne, vous décidez, c'est moi qui... Je ferai la vidéo, mais c'est vous qui décidez ce que vous avez envie de voir. Je suis là pour vous servir. Et puis, puis voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Messi, on joue au foot, alors je dis Messi. Non, merci d'avoir regardé la vidéo. Prochaine vidéo, les gens, ce sera, je l'espère, au plus profond de mon cœur, enfin ma frag movie. Je l'espère très clairement, on verra. Je vous tiens au courant sur Facebook. Allez aimer ma page officielle Facebook pour être au courant de ce petit, de ces, ce genre de petites choses-là. Et puis voilà, peace les gens, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Ça, j'ai jamais compris le truc invité. Si quelqu'un sait ce que c'est, qu'il m'explique parce que je ne sais pas du tout ce que c'est.